Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou plutôt re-bonjour puisque c'est le deuxième gaming live de Guild Wars avec notre ami à tous, l'ami de tout le monde, Panda. Salut. Quelle présentation notre tu ami à tous, le grand Panda. Pom pom. Bon bref, qui nous chantera une chanson bien sûr à la fin de ce gaming live. On part tout de suite, On part tout de suite donc avec notre gros char toujours aussi souple, on va dire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et heureusement qu'on n'entend pas les bruits, mais en vrai c'est Et là on est de nuit. On est de nuit et on est sur une sur le mode World versus World. Qu'est-ce que c'est que le mode contre monde? Voilà, la guerre des mondes. Donc que ce mode, c'est un mode, on va dire PVP de masse, où trois camps s'affrontent pour la possession de différents châteaux et forteresses. Trois camps, je suppose, représentés par des joueurs, des vrais joueurs et tout. Par des couleurs, rouge, bleu, vert. Par des couleurs, oui. Alors chaque camp, effectivement, ce sont des joueurs, ouais. Et chaque camp, en fait, c'est un serveur différent. Ah, c'est un serveur, carrément. C'est un serveur. C'est-à-dire que les serveurs vont s'affronter entre eux pour la possession de ces points. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y en a pas mal. Les rouges sont un peu dans la panade. Les rouges, voilà, on est rouge, donc ça tombe bien. Ah bon? Eh bien voilà, donc, ça c'est une équipe qui marche. Le but, vous voyez, c'est de s'emparer de ces châteaux, de ces forteresses. Ouais. Pour cela, il va falloir avoir des engins de siège, des trébuchets, des catapultes, golems, des balistes. Oui, parce qu'au lance-pierre, ça marche moins bien. Ouais. Ça marche moins bien. Ouais. Et pour avoir ces genres d'engins, il faut avoir des ressources. Donc il faut conquérir, vous voyez, des camps de ressources qui sont ici. Okay. Donc là, il y a un camp vert. Je vais vous montrer comment est fait un camp de ressources. Je vais pas l'attaquer. Tu peux y aller tout seul ? Ouais, je vais pas l'attaquer tout seul, mais je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Il faut un petit groupe de 4-5 personnes pour attaquer un camp. Ouais, voilà, du coup, il faut s'organiser en fait entre gens gamilis. Il n'y a pas de truc spécifiquement organisé. C'est toi qui dois te débrouiller avec des potes Il faut s'organiser avec son serveur pour la possession de ces campements de ressources. C'est pas mal comme système. Donc là, vous voyez qu'il y a. Bon, je me fais attaquer évidemment par un archer. Et si je l'attaque, évidemment. Qui est niveau 80 en plus. 80. Alors, voilà, je suis aussi niveau 80. Normalement, mon personnage est niveau 30, mais quand vous arrivez dans ce mode, votre personnage est automatiquement mis au niveau 80. Ok, pour que tout le monde puisse y participer. Voilà, tout à fait. Alors, en sachant que vos compétences restent celles d'un niveau, de votre niveau de base, oui. Mais votre santé va être augmentée, vos dégâts vont être augmentés, ouais. Pour que même un niveau 2 puisse prendre du plaisir et puisse participer à la conquête de ces points. Ok, oui, donc c'est bien vu. Comme ça, vous voyez, je suis niveau 80, mais j'ai du mal à battre un niveau 80 adverse. Par contre, là, le niveau 80 adverse, c'est un PNJ, c'est pas un c'est joueur. C'est un PNJ, là. En fait, voilà. C'est un PNJ qui défend son camp. Ok. Il faut savoir qu'en ayant des ressources, vous pouvez avoir donc des engins de siège, mais vous pouvez aussi acheter, booster vos PNJ qui défendent vos forteresses et qui défendent vos points de ressources. Voilà. Parce que là, actuellement, il n'y a que des PNJ, mais s'il y avait un joueur adverse qui se baladait dans le coin et qui te tombait dessus, il aurait pu te... Ah bah évidemment. Voilà, c'est ça. Ah évidemment. Le but, c'est que c'est un affrontement entre les joueurs. C'est ça le but. Oui, on est donc là, d'accord. Je vais ressusciter mon familier. Vous avez remarqué que c'était le fil rouge. Hein. C'est la mort du familier à chaque gaming live. Ouais, voilà. Le but pour s'emparer de ce camp de ressources, c'est de tuer tous les gardes qui sont autour et de rester un petit peu de temps dessus pour pouvoir convertir le camp en camp rouge. Ils ne respawnent pas au bout d'un moment les gardes ou des trucs comme ça? Enfin, je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir parce que... Ah non, j'ai pas vu. A priori, non. Parce qu'il faut, je crois qu'il faut racheter le garde en question. Ah oui, il faut qu'il le rachète, ouais. Donc là, vous voyez, je voulais vous montrer aussi les petites caravanes. Voilà, les petites caravanes qui passent d'un camp de ressources. Là, vous voyez que nous, on possède ce camp de ressources. Et il y a une petite caravane qui fait la jonction entre le camp de ressources et la forteresse rouge la plus proche, qui va en fait amener les ressources. D'accord. Donc un joueur seul peut très bien se dire, ah bon, je suis tout seul, donc je peux pas quand même attaquer un camp ou une forteresse, je vais attaquer la caravane et couper... Parce qu'elle est moins gardée, exactement, t'as tout compris. Et couper l'approvisionnement. Le but de NCSoft avec ce mode, c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Il y en ait pour des joueurs esselés qui peuvent attaquer les caravanes, il y en ait pour des petits groupes de 3-4 joueurs qui peuvent attaquer des camps de ressources. Et alors, pour attaquer des forteresses et des châteaux, là, faut être, allez, une 45-50.
Ah oui, quand même. Voilà. Oui. J'ai participé d'ailleurs hier à une petite attaque de forteresse qui était très sympa avec des développeurs de NCSoft. Ouais. Il y avait une douzaine de développeurs et il y avait une vingtaine de gens de la presse. Ouais. Et je peux vous dire que pour prendre une forteresse, il faut y aller. Parce que veto. Il faut y aller et il faut prendre des engins. Moi, j'avais un petit golem. J'avais un petit golem, donc je mitraillais la porte avec mon petit golem. C'était assez sympa. Okay. Alors, tu vas peut-être me dire à quoi ça sert de se battre pour ce territoire ? Eh bien, je vais te le dire. À quoi ça sert de se battre pour ce territoire. A priori, bon, c'est un mode PVP classique, enfin classique, oui. un petit peu de grande envergure. À quoi ça sert? C'est tout simple. Déjà, votre personnage va gagner de l'or, de l'expérience, va gagner des objets aussi. Mais plus intéressant, c'est que votre serveur va aussi gagner des bonus en fonction des territoires que vous possédez. Okay. C'est-à-dire que là, nous, on est en rouge, donc là, actuellement, là, c'est les points globaux, on va dire, sur une longue durée. Mais là, actuellement, les rouges ne possèdent quasiment rien, vous voyez. On sent que c'est ton équipe. Les possessions des rouges, bon, ne sont pas terribles. ce qui est intéressant, c'est que plus vous possédez de ressources, de châteaux, de choses comme ça, plus vous allez, votre serveur va bénéficier davantage en artisanat, davantage en endurance, davantage en or. Donc plus, même dans le mode normal, même en PVE, vous allez profiter, par exemple là, de plus 2% d'or par monstre tué. Donc ça a vraiment une influence sur toute la partie. Donc ça a une influence sur tout le serveur, en fait. C'est ça qui est super sympa. Pour inciter aux joueurs à y participer, bien sûr. Bonus sur tout le serveur. Donc, mode plutôt intéressant. Là, vous voyez, il y a un camp vert. Que tu t'en vas attaquer bien sûr en solo. En solo non. Donc vous voyez qu'il y a, il est gardé par des. Bon, il faut évidemment d'abord tuer les gardes. La petite porte verte là, c'est pour le camp vert en fait. Un joueur vert va pouvoir entrer directement à l'intérieur de la forteresse, se placer ici sur les hauteurs par exemple. Et mitrailler avec des flèches. Oui, c'est normal, voilà. Alors donc, toi, il va falloir que tu défonces la grosse porte. Il va falloir défoncer la grosse porte avec des engins de siège, parce que sans engins de siège, c'est délicat. On voit ton scorpion. Ouais, non, mais là je vais me faire poutrer. Ouais, on y va pas. Donc voilà, en gros, le principe de ce mode, qui est un des grands atouts de ce Guild Wars 2, parce que vous voyez tous les points qu'il y a à conquérir et à... Bah, de toute façon, si le jeu s'appelle Guild Wars, c'est pas totalement par hasard non plus. Donc on sait que c'est un MMO qui est énormément tourné vers le PVP. Ouais, donc il y avait intérêt à qu'il soit vraiment très complet, on va dire. Donc effectivement, apparemment, c'est le cas en tout cas. C'est le cas. Alors, est-ce que tu veux qu'on continue sur ce GL ou est-ce que tu veux qu'on continue sur un troisième GL? Eh bien, on va en faire un autre. Ce que je voudrais rajouter, carrément. Justement, tout à l'heure, on parlait de cette petite partie que j'ai fait pour attaquer un fort avec, on était une 40-50. Ouais. Ça laguait un peu, ça ramait un peu. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est encore une bêta. Donc, les développeurs bossent justement sur la fluidité, sur les combats de masse. Parce que là, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui lançait des sorts, des boules de feu. En plus, on s'est fait attaquer par des PNJ juste par derrière, par une quarantaine de PNJ adverses. Donc, je vous dis pas le bordel. Mais c'était fun, quoi. Bah ouais, ça devait être fun. Là, on vous le montre pas parce que. Si en tout, vous étiez à 60, 70 à tous envoyer des pouvoirs, on se doute que même dans la version finale, de toute façon, il y a des chances que ça rabouille un petit peu selon les PC. Le but, c'est que ça rame pas. Enfin, le but, c'est. Ça serait génial parce que vu la taille des maps et tout. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de lag et le but, c'est que même des PC assez modestes puissent le faire tourner. Je sais pas comment ils vont y arriver. Mais. Bon courage! C'est l'objectif. Ok, eh bien, on va se quitter là-dessus pour ce deuxième GL qui vous parlait. Donc, c'était la surprise parce que je ne savais pas avant de quoi ça allait parler. Il est très cachotier, ce super panda. Qui nous parlait donc du système de PVP. On va se retrouver tout de suite pour un troisième GL qui va nous parler de... J'en sais rien du tout, et vous verrez bien. En tout cas, nous, on se quitte et on se retrouve tout de suite. Ciao tout le monde. Regarde comme c'est joli, c'est pas mal. Et là, il y a un événement qui s'est déclenché. Ah. Donc on va peut-être rester un tout petit peu. Ah, tu veux qu'on reste voyez... Enfin non, c'est juste pour vous dire que... Désolé pour la fête. En fait, voilà, il y a des événements qui se déclenchent aléatoirement. Oui. On va dire que c'est toutes les heures. Et voilà, du coup, voilà. En s'approchant de certaines zones, vous pouvez participer à des événements. Et donc... il est concentré parce que sa vie descend. Bon, là, je vais mourir. Il va fumer. Merci, une petite pixel. Voilà. On va finir comme ça. T'as bien fait d'arrêter ce GL qui allait se terminer sur toi vivant. C'est bien. Pour finir sur alors une là, mort, là, je peux combattre. Je peux combattre pour survivre aussi, mais bon, vu le nombre de. Ouais. En fait, quand vous tombez, vous ne mourrez pas tout de suite.
vous allez tomber au sol et vous allez pouvoir continuer à agir un petit peu sur le combat et donc à essayer de vous relever. Ouais. Mais là, vu le monde qu'il y avait autour, bon, c'était mort de toute façon. Donc on va retourner au point. Merci beaucoup, comme quoi même Panda peut mourir sur un GL. Et oui, c'est comme ça, il est comme tout le monde. On se quitte là-dessus, on se retrouve pour un troisième GL. Ciao.